Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que je vais vous parler. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que là il y a vraiment beaucoup de vent, il y a des gens et tout. Donc c'était pour vous parler, un peu de la chaîne, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc attendez, je vais mettre mon masque. Donc cette vidéo sera découpée en deux parties. Donc cette première partie va se tourner ici sur un stade d'athlétisme avec quelques petits sauts, mais bon il y a des gens donc je sais pas trop si je vais en faire. Et la deuxième partie sera tournée en forêt que j'ai déjà tourné la deuxième partie d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de vent là. Je vais essayer de me mettre à l'abri du vent. Donc pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu moins de vidéos sur la chaîne et pourquoi depuis un mois il n'y a pas de vidéo. Donc c'est tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de PC. C'est la première raison, c'est que j'ai eu des problèmes de PC. Mon PC j'ai dû le changer. Donc maintenant mes montages j'ai fait sur un autre PC qui est à moi, mais là il a un problème de disque dur, donc je suis en train de régler ce problème là. Donc au moment où regardez vous cette vidéo, elle est vraiment réglée hein. Donc j'ai pas pu faire de montage, tout ça. Et ensuite aussi il y a eu un manque de motivation. C'est à dire que je sortais faire du vélo quasiment 3 fois par semaine, mais je ne savais pas quoi tourner. J'étais en manque d'idées, si vous voulez. Et ça, c'était un problème, vous voyez. Et donc, suite à ces deux problèmes, j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc, on va dire que les deux tombent bien ensemble parce que si je pouvais faire des montages, mais j'avais pas d'idées, c'était un peu con. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai fait, ce que je vous ai préparé comme petite surprise, c'est que je vous ai tourné plein de petites vidéos. Des vidéos assez sympas qui sont principalement basées en forêt, qui sont même parce que je vous ai tourné deux vidéos plutôt sympas, on va dire. Je vous ai tourné une vidéo totalement naturelle sur une découverte d'un terrain, une descente plus précisément, et une deuxième vidéo en bike park avec un tout petit bike park vraiment vraiment bien sympa. Donc les gens qui habitent vers chez moi, ils connaissent le bike park de Gatcher. Bon, c'est pas vraiment un bike park parce que c'est quelque chose qui est pas officiel, mais il y a des petits sauts, des petites tapes, donc je pense que vous allez aimer. Je vais essayer de faire un beau montage dessus. Donc déjà là je vous ai fait préparer deux petites vidéos plus la deuxième vidéo vlog qui va arriver dans quelques jours. Donc vous serez contents. Et donc j'ai pas plus de choses à vous dire que ça, juste que en ce moment j'ai changé mon état d'esprit sur YouTube. Vous allez me dire comment ça t'a changé ton état d'esprit tout ça. Ben en fait avant je sortais faire du vélo, je mettais la vidéo en ligne, même si je faisais rien, même si j'étais sur le trottoir et que je faisais rien, ben je la mettais en ligne. Alors que maintenant mes vidéos sont, j'essaie de faire des vidéos plus travaillées où il y a plus de montage, tout ça, parce que ça m'intéresse un peu plus et je veux être fier de mes vidéos. J'ai pas envie de faire une vidéo que je sois dégoûté, que vous, j'ai envie de vous faire plaisir aussi. Donc je voulais juste aussi vous dire que regardez, par rapport à la deuxième vidéo, vous allez voir une présentation de mon équipement un petit peu. Donc dans la deuxième vidéo je vais vous parler un petit peu des accessoires, de ma GoPro, de tout ça. Donc juste c'est pour vous dire une petite précision parce que cette vidéo a été tournée après celle de la forêt. Donc j'ai changé mon maillot. Le voir, voilà, c'est un maillot Fox aussi. Donc j'en ai acheté encore à nouveau, c'est mon troisième Fox que j'ai. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça par rapport à cette vidéo. C'est une petite information complémentaire par rapport à la deuxième vidéo que vous allez voir. Donc moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse sur les prochaines vidéos et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai, si vous voulez avoir plus d'informations sur les prochaines vidéos, tout ça, je publie beaucoup sur mon compte Snapchat. C'est GoPro VTT Urban tout attaché. Vous allez trouver, voilà, donc je mets des stories et tout. Et ensuite mon compte Instagram aussi, je poste pas mal de photos de mon vélo, tout ça. C'est GoPro-VTT-Urban. Donc merci, si vous voulez vous avez des questions ou quoi, contactez-moi sur Snapchat ou sur Instagram et je vous réponds. Donc voilà, allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao.